Tower Control, mon gars. L'expédition risquée. L'expédition risquée. Un mode dans lequel on est particulièrement à l'aise. Toujours en bleu. Et c'est peut-être le match décisif pour le France. Allez, le France. Expédition risquée. C'est pas mal, ça, avec un Grey qui va sûrement prendre son para à ancre. Voilà. Echo qui est toujours là. Ah, Echo qui joue pas snipe, il joue... Si. Non, je... Pas de kill, mais prennent des risques, les Allemands. Ils jouent vraiment très très haut. Et voilà, je dis risque pris. Immédiatement la mort. Et Sorin qui va préparer la double ancre. Et Kiver qui part toujours devant et au parti. Combat pour déblayer le terrain. On est Grey au checkpoint et c'est tout bleu. Checkpoint bientôt tombé. Grey qui est juste redescendu pour pouvoir attendre la fin de la ping balance, bien sûr. Les violettes sont là. Ça avance, tonton. Ça avance, Ça avance bien, on est bien. Cette tourelle. On est bien. Kaito, qui est pris dans l'encre adverse, mais qui résiste quand même. Ah, mais Grey qui fait tellement le taf avec Erza qui va promotionner. Erza qui est Grey là. Ouais, Erza aussi. Ça fait deux liquidations côté français. Du coup, les Allemands vont pouvoir repartir. Kiver qui est poussé dans le coin, mais qui fait quand même sa chromosphère. Oh là là, Kiver, il est immourable, le Kiver. Bon, je sens que Grey va vouloir reporter. Sabak côté allemand. C'est bien joué. Erza qui distribue. Un petit coup à droite, un petit coup gauche. C'est tout bleu. Oui, allez. Oh, le talent de Grey pour ne pas mourir sur la tourelle. On s'approche du deuxième checkpoint. Le danger est vraiment là. Évite la là, attention. Il n'a jamais été deux chromosphères en même temps. Là, il faut qu'il se parle un peu. Deux chromosphères en même temps. C'est un peu dommage. Ouais, la torpille. Le checkpoint est passé. Oui, c'est bon, ça avance. Il a eu le temps de revenir. En plus, ça tue bien. Ah là là. Non, c'est bon. Ça repart autour de la tourelle. Grey back. Il préfère, il a vu, il y a deux kills du côté français. Ça sert à rien d'essayer de mourir encore. Il faut laisser le reste de la map repeint en bleu, histoire de pouvoir quand même s'organiser. Regardez comment ça charge les supers. C'est bleu, toi. Non, mais justement, il faut essayer de la repeindre en bleu au maximum. C'est pour ça qu'il. Non, mais je veux dire, la couleur, c'est du violet pour moi. C'est ah ouais du non, c'est bleu ça. C'est bleu nuit. Ouais, c'est bleu nuit, je t'accorde un bleu nuit. Bleu nuit validé, si on gagne c'est violet. Boum. D'accord. Ah là là, attention, le Ben là qui se bat. Ah là là, ils sont dessus les Allemands et ils progressent. C'est jaune. La torpille qui est. C'est la bombe collante qui est excellemment bien jetée. Mais ça tue. Oui, oulala, le checkpoint qui tombe. Imagine qui tient bon. Sorin qui se fait. Non, c'est bon, la duo de duel de Pygmalance. Bah, ils ont perdu la tourelle quand même. Ouais. Et il faut repeindre là, les gars. Faut repeindre. 4. Voilà. 4-3. Oh, attention, la bombe. Je te rappelle, le dernier coup, c'était eux qui avaient poussé la tourelle et ensuite on les avait récupérés et on avait marqué le point. Et bien là, la configuration est inverse. On a poussé et c'est les Allemands qui ont essayé de nous tuer juste après. Ah, dommage. La chromosphère qui avance là de Ben. Broom. On a perdu qu'un joueur, mais toujours à 3 contre 4. Mais pour l'instant, ça tient. 1 minute 40 de la gagne. Croyez-moi, elle n'est pas gagnée cette partie. Elle est loin d'être gagnée. Ouais. Mais ça va, de côté français, c'est repeint de notre couleur. On attend Grey sur la tour. Voilà. C'est Sorin qui est Reza, sur la tour. Reza qui part en avant. Kiver qui est là aussi. Allez les gars, faut avancer. La chromosphère qui est chargée. On est bien. Grey qui maîtrise toujours autant sa tourelle. Jamais mort dessus. Oulala. Et il sait à chaque fois bien se retirer quand ça sent le roussi, Grey. Boum, chromosphère, ils sont trop loin pour prendre. La tourelle qui va reculer, ils s'en foutent en fait. Là, Erza qui s'est fait atomiser là. Ils vont pouvoir avancer les Allemands. Pour l'instant ça tient, mais c'est tout jaune. C'est beaucoup jaune là quand même. Imagine sur la tourelle qui va pousser et tenter d'atteindre le deuxième checkpoint. Bien appuyé par Ben et sa chromosphère. Ouais, le para-ancle là de Grey. Attention, il y a un gros danger côté français là. Il a fait la torpille. Pousse les Allemands. Il se cherche. Le Pharaon qui tient la garde. Oh, il a l'armure d'ancre, ça, gros avantage dans ce duel. Les Allemands, ils sont au checkpoint, les Allemands. Aïe. Ils sont au checkpoint, il faut absolument les repousser maintenant. Voilà, bien appuyé par la Pygmalance, mais attention, c'est pas fini. On les a tués, c'est quand même un très très bon move. Je te rappelle qu'il reste 25 secondes au chrono. Allez les gars. Si on est sur la tourelle durant ces 25 secondes, c'est gagné. Plus que 20 secondes, faut charger les supers. Le choc chromatique. On a perdu Erza.
Ah là là, Kaito qui avance. C'est eux qui vont reprendre la tour, ils vont reprendre la tour. Ouais, regarde comment tous ces jaunes autour là, Kiver qui se réorganise. Kiver qui a la chromosphère. Bien joué, bien joué. Oh, il a réussi à avoir. Ils sont 3 à être morts, ils sont 3 à être morts. 3 secondes, choc, c'est gagné, monsieur Karaté. Allez, oui, ça gagne. Et victoire de la France. La France qui l'emporte. L'Alliance Rock qui gagne, Kiver qui n'en croit pas. Mais bien joué. Le câlin de la gagne entre Erza et Sorin, on est là. La baguette. C'est que de l'amour. La baguette. C'est que de l'amour. Bien joué. Bien joué, les gars, bien joué. C'est ça. Ah, la fierté nationale. Cette revanche prise sur les Allemands. Ah, sur l'année dernière, on avait souffert. On est revenu fort. Et c'est ça. Et victoire 4-1. Avec un écart assez conséquent, pas de place à la chouine côté allemand. Là, le niveau était français. Ils nous l'ont pas donné hein, cette dernière game. Hein. Ils nous l'ont pas donné. Hein. Il a fallu être fort pour tenir. Et je suis vraiment impressionné de voir à quel point ils n'ont pas craqué mentalement. C'est-à-dire, il y a vraiment des moments... Ils ont pris leur revanche. C'est ça. C'est la revanche. C'est la victoire. Baguette, garde ton end zap.